Alors, toxique, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'aliens qui envahissent la Terre dans le but de commercialiser de la viande humaine, donc de découper les humains et de les vendre à la chaîne comme dans un abattoir quand on découpe du bœuf ou des agneaux ou quoi que ce soit. Il se trouve que quand ils envahissent la Terre, la viande qu'ils convoitent est avariée parce que la Terre a subi une pandémie zombie qui a transformé la population, une bonne partie de la population, en zombie. Et de ce fait, les aliens ne peuvent donc plus commercialiser la viande humaine. Donc ils se rabattent sur les franges de la population qui ont échappé au virus. Et nous suivons donc un groupe de survivants qui essayent d'échapper aux zombies et aux aliens. Donc double peine, double punition pour eux. Et nous suivons des aliens qui sont à la recherche d'un antidote. L'antidote va leur permettre de rétablir la valeur commerciale de l'humanité et donc de pouvoir commercialiser de la viande humaine. Que la première saison se déroule sur Terre, donc on suit un groupe de survivants. On suit un alien qui est un hybride mi-plante, mi-carnivore et qui se met en tête de pouvoir aider un petit peu les humains dans leur quête de l'antidote parce que lui aussi il a une petite idée derrière la tête. Et donc de fil en aiguille, ça les mène à la deuxième saison. Donc voici la couverture qui se déroule dans l'espace puisque les humains peuvent être aussi transportés pour être mis en esclavage ou pour être mis en captivité. Et nous suivons également l'histoire d'un oiseau alien qui lui s'est mis dans l'idée de faire reproduire des humains pour ouvrir sa propre chaîne de production, donc d'accoupler des hommes et des femmes. On ne sait pas comment il faut faire, enfin en tout cas lui il ne sait pas comment faire, donc il essaye par tous les moyens de faire s'accoupler des humains pour ouvrir sa propre chaîne d'approvisionnement en produits humains. Ce qui nous amène donc au final de la saison 3 qui se déroule sur une planète, donc je ne peux pas vous tout vous dire, hein, mais donc c'est le final. Et dans cette saison 3, il y a également une magnifique vente aux enchères où les aliens se battent pour essayer de mettre leurs pattes et leurs griffes sur les quelques derniers dizaines de millions d'humains qui sont sur Terre. Et si le pitch vous a plu, une très bonne dégustation.